Bienvenue à Fort Boyard. Vous savez, il faut beaucoup plus qu'un billet d'avion pour venir ici. Fort Boyard n'est pas un hôtel de luxe, ni même une formule tout compris. D'ailleurs, on se demande souvent si tout est vraiment bien compris. Ici, pas de tourisme, pas de visite guidée, que du nerf et de la volonté. Voyons si ceux qui s'amènent en ont. Soleil, est-ce qu'ils savent faire autre chose que de crier, ces gens-là? Qui sont ces touristes en mal de trésor? Mais c'est sans doute l'équipe la plus diversifiée qui se présente à nous cette année, puis ce sera peut-être la plus complète, on ne sait pas. Marc, je viens de la Côte-Nord. Moi, c'est Karine. Je viens de la Côte-Nord aussi. Moi, c'est Louis Gallienne, je viens de la Côte-Nord aussi. Hey, et puis, ils font équipe avec France Gauthier et Jacques Rougeau. Hey, j'espère que vous êtes prêts. Garde tes forces. Agite pas trop les bras, tu fais un peu de vent et ça dérange. Je sais ce que vous voulez, je sais seulement ce que vous voulez, c'est de l'argent, vous voulez des sous, des pièces, vous voulez des boyards. Mais pour y arriver, ça prend 5 clés. On les obtient par des épreuves, on les obtient par un rendez-vous, même 2 rendez-vous, avec le père Fouan. Et ça, ça fait partie de ton travail, mon loup. Ouais! T'as de l'eau salée qui coule dans les veines? Ouais, ouais. Attention pour pas rouiller. Tu vas partir immédiatement avec Alain. Okay. Tu vas recevoir une première énigme pour avoir une clé. Si on n'a pas la bonne réponse. Si Louis n'a pas la bonne réponse, c'est Marc qui va avoir de l'eau salée, pas dans les veines, mais dans les yeux. Alors, on va aller se préparer pour aller récupérer la clé au cas où le père Fouan la lance à la mer. Allez, okay. Viens-t'en. Pour ce qui est du reste, n'oubliez pas une chose très importante. Le temps peut jouer en votre faveur, mais souvent contre vous. Vous avez 35 minutes, pas plus, pour accéder à la salle du trésor. On et tu fais du vent. La boule! Coup de gong! Allez, du nerf, hein. Aujourd'hui, moi, pas de pâte molle, hein. Allez, je veux que ça bouge. Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est moi. Ah, j'attendais un athlète et on m'envoie un petit flambeau, là. Oh, c'est Louis? Oui. Louis? Bon, bah alors, on est prêt, quand même? Oui. Allez, hein, il faut y aller, hein, Louis? Oui. Alors, j'espère que vous allez vous montrer un petit peu plus baraqué, hein. Oui. Allez, écoutez bien. Vous quittez le sommet d'une côte... Et vers moi, vous venez. Vous grimpez la montagne, alors par moi, vous débutez. Et si vous permettez ce jeu de mots, sachez que je suis le gant du pied. Qui suis-je? Le gant du pied? Oui, je répète. Vous quittez le sommet d'une côte, et vers moi, vous venez. Vous grimpez la montagne, alors par moi, vous débutez. Et si vous permettez ce jeu de mots, sachez que je suis le gant du pied. Qui suis-je? Le gant du pied. Oui, oui, le gant du pied. Le gant du pied, le gant du pied. Oui, allez. La montagne. C'est trop tard. Bah alors, t'as les deux pieds dans la même boutique? Oui, je m'excuse. Mais... C'est le bas. Oui. Oui, quand vous quittez le sommet d'une côte, c'est vers le bas que vous allez. Oui. Pour grimper, vous commencez par le bas, et puis c'est le gant du pied, le bas. Allez, Louis, le bas. Allez, et puis du nerf, le hein. Bas, bon, bon, allez, hop. Allô. Petit Louis, hein. Il y a moyen, hein. Bon, Marc, Louis ne l'a pas eu, OK? Ça fait que la clé, elle est là, tu la vois? Oui. Tu sautes. Les pieds en premier, hein, pas la tête. Okay. Saute, puis tu vas la chercher le plus vite possible. Oui, vas-y. OK, c'est parti. C'est beau, excellent. Oh, tabarnouche! Tu montes pas la course!
C'est efficace! Excellent! Wouh! OK! Tiens, je te laisse la clé. Viens-t'en! Bravo! Oh! Oh oui! Vas-y, mon Jacques! Je vais pousser! Jean, il faudrait inverser les choses. Tout ça pour une petite clé de rien du tout. Une toute petite clé qui va peut-être ouvrir la salle du trésor. Mais c'est parce que ça se fait pas tout seul, ça. À Fort Boyard, il y a des adversaires. À Fort Boyard, il y a des adversaires. De taille. OK. Tu me prends ton tas, Jacques. Serre-toi de tout le poids de ton corps pour pousser, OK? OK. Alors là, il faut qu'il affronte l'homme fort qui pousse. Pense à quelqu'un qui aime pas. Il va falloir qu'il mette tout le poids de son corps, qu'il se mette à bout de bras, OK? Mets-toi à bout de bras! Mets-toi à bout de bras! Mets-toi au bout de la perche contre cette salle pour être le king! Ben oui, il n'est pas au bout, effectivement. Jean, mets-toi au bout du bras! Oui, oui! Surveiller le temps. Oui. Ah, vas-y, on va foutre la perche contre la perche. OK, on y va pour l'équipe. Let's go! Pas de clé, pas de lutteur. Pas de clé, pas de lutteur. Bon, le roi est resté pris dans l'arène. Oh! Ah, dommage. Tu fais quoi dans la vie, toi? Mécanicien d'hélicoptère. Mécanicien d'hélicoptère. Pout, qui va plus haut, plus haut, plus haut. Ben, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. C'est toi qui veux aller vivre sur la Lune? Oh non! Tu veux aller vivre sur la Lune, toi? Es-tu prêt à décrocher la Lune pour nous? Oh non! On ne te demandera pas de décrocher la Lune pour nous. On va juste te demander de décrocher des petits sauts de rien du tout. Karine, écoute-moi bien. Quand tu vas arriver, OK, tu vas monter sur un tapis roulant. Tu as des sauts au plafond. Tu les décroches délicatement pour ne pas perdre l'eau qu'il y a dedans. Au bout, tu as une colonne. Tu remplis la colonne d'eau. Il y a un trou dans la colonne. Tu remplis ça d'eau. OK? La clé, au bout, tu vas voir. Tu vas la trouver. Vas-y, Karine. Vas-y. Va-t'en au bout à droite. OK. Alors, vas-y en haut. OK. Là, il faut qu'elle décroche les sauts. Décrochez lentement, Karine! Lentement, Karine! Il faut qu'elle les décroche, qu'elle aille remplir la colonne qui est en face d'elle. Excellent! Excellent! C'est exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. C'est beau! OK! Il faut pas qu'elle perde trop d'eau, là. Faut pas qu'elle perde trop d'eau. Délicatement, Karine! Lentement, Karine! OK? Plus elle met de l'eau dans la colonne, plus la colonne... Il y a une autre transparente à côté, là, puis la clé va monter. Mets l'eau doucement, faut pas que tu perdes d'eau, Karine, OK? Ça va y prendre toute l'eau qu'elle a dans les sauts. Ouais, on va que la douche à soir, Karine. As-tu compris, Karine? Doucement, ça prend beaucoup de temps dans la colonne. Faut qu'elle aille déposer l'eau dedans, là. Dépose l'eau dans le tuyau, Karine. Dans le trou, juste dans le trou. Prends ton temps, Karine. Faut qu'elle mette l'eau juste dans le trou. Prends ton temps, on dit. C'est pas quand tu sais. Non, prends ton verre! Vas-y lentement! Lentement, là! Je veux tout l'avoir dedans! C'est ça, faut qu'elle mette tout l'eau, Karine! Allez, vas-y.
Voici Hoffman, Hoffman, Hoffman. Parfait, c'est bon, Hoffman. OK, un autre. Il faut pas qu'elle perde de temps. Un autre. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, faut que la clé monte jusqu'au trou en haut. Ça va y prendre. Prends ton temps, Karine. Mais prends ton temps. Pas tant que ça. Faut pas qu'elle. Prends ton temps, Karine. Faut qu'elle y aille délicatement, mais qu'elle fasse ça vite. Vas-y. Serre-toi de tes. Oui. Parce que là. Ça devient de plus en plus difficile pour aller chercher les. Vas-y, Karine, t'es capable. Vas-y, fille. Faut pas qu'on la perde, celle-là, hein, parce que. Vas-y. Faudra pas oublier de la faire sortir au bon moment. OK, alors là. Vas-y, tu l'as. Ça va-tu? Ça va-tu? Oui. Oh là là, là, là. Si tu fais mal en tombant, ça va-tu? Oui. OK. Bon, ben, t'as pris une douche? C'est dur! Oui. Ouais. Allez, on est deux! On est pas ici pour faire les OK. Hein? Comment est-ce qu'on va, mon équipe? Comment est-ce qu'on a clé? Hey, les gars! Des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Je vois toujours une seule clé. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui se mouillent pour cette équipe-là seulement. Écoute, va pas plus bas, va plus haut, mon Louis. Deuxième rendez-vous avec le père Fourin, immédiatement. Marc, comme tu as déjà eu une clé à la main, il n'y a pas une deuxième chance de rattraper la clé à la main lorsqu'il y a une deuxième vigie. Ça va? C'est ça. C'est ça. C'est pas grave. Quel est le monde de Fort Boyard? Qu'est-ce qu'on cherche quand on rentre à l'intérieur de ce lieu? La clé! Pour avoir le monde au bout de tes bras, France, il suffit d'avoir juste un peu d'équilibre. Bonne chance, écoute! Écoute-nous! Juste un peu d'équilibre. Vas-y. Écoute ça, regarde ça comme faux! La clé est dans le milieu! La clé est suspendue. T'as vu la clé, France? Salut! Dans le milieu! Aide-moi en plein centre! Il a dit dans le centre! Attends, on va comme ça. En plein centre. OK, je comprends le centre d'attraction. Oui. OK, mets dans le centre. Y a-tu quelqu'un qui pourrait appeler Jean-Luc Mongrain qui vient de me sortir du pétrin? Va falloir que tu fasses ça tout seul, Franck. OK, prends ton temps. Prends ton temps, Franck. Mets tes pieds chaque côté du cercle. Faut qu'elle garde son centre de gravité le plus bas possible jusqu'à temps qu'elle trouve l'équilibre. Abaisse ton centre de gravité, Franck. Mets-toi à genoux au début. Le plateau est extrêmement glissant, fait que c'est sûr que c'est difficile. Transcende tes pieds chaque côté du ballon. OK. Du cercle. Sens tes pieds comme faux. Positionne-les. Abaisse ton centre de masse. Abaisse ton centre de masse le plus possible. Prends ton temps. Fixe pas le centre. Prends ton temps. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle va avoir? Garde-toi un point d'horizon, France. Une référence. Oui, parfait. Va chercher ton équilibre. Doucement. Vas-y, c'est beau. C'est bel à voir. Vas-y, regarde. Pas tout de suite. Une fois qu'elle va avoir trouvé l'équilibre, faut qu'elle dévisse la manille parce que t'as un muscle de OK, prends ton temps! Alors, il va falloir vraiment qu'elle puisse rester en équilibre pour dévisser tout ça. Elle peut pas juste tirer sur la clé, là. France, faut que tu dévisses. As-tu entendu, Marie-Soleil? Faut quand dévisser. Dévisser quoi? Attends que je suis même pas élevé. Regarde les murs pour avoir ton équilibre. Okay. Elle bien parti, là. Elle bien partie. Mets les pieds chaque côté. Chaque côté, prends ton temps. OK, prends ton temps. Abaisse ton centre de masse. Tiens-toi serré entre la bouche. Regarde pas le plateau qui bouge, regarde les murs. OK. C'est bon, c'est là. Continue. Regarde les murs ne bougent pas. Doucement. N'oubliez pas de surveiller le temps. Hein. Oui. OK, commence à te regarde les murs, commence à te positionner. Commence à te dépêcher un peu. Positionner, prends. Donne un grand coup. Allez, monte. Allez, vite, 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 vite,
Dites-moi, Louis. Oui. Est-il vrai que votre papa est gardien de phare? Oui. Oui, entre nous, vous ne pourriez pas lui demander qu'il vous indique un peu le bon chemin? Oui. Ben, il est loin, faudrait que j'aie un téléphone. Faites-lui signe, hein. Allez, écoutez. Impérial couvre-chef auquel aspire l'ambitieux dauphin. On me tresse en de funèbres circonstances. Et qui me porte en bouche épargne le dentier. Qui suis-je? La couronne. Bien. Oh, bah j'ai cru que vous étiez une 2 watts. Oh, bah ça me je suis une 3 watts. Quoi ça? Bah c'est bon pour éclairer le phare. Allez, hop. C'est ça. On descend. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Bien, bien. Oh, une voix aiguë, hein. Oh. Il l'a eu. T'es mouillé pas mal? Oui. T'as pas froid? Non. Non? Oui, ben j'ai froid, j'ai resté. On va te réchauffer. Let's go, Karine. Let's go, Karine. C'est ça. Let's go, Karine. Ok, okay. Je vous rapporte la clé. Non, non, ça te fait très bien, reste là. Et ici, Marc. All right, bravo. Quel cerveau, du calme, on s'entend pas ici. Marc, okay. Facile d'entrer. Okay. La seule chose certaine, c'est que dès que tu entres ici, t'es prisonnier. À toi de sortir. OK. OK, Marc, tu commences okay. Prisonnier. Vas-y, tu peux prendre la clé. Elle est facile d'accès. Tu peux juste la dévisser. OK? Prends la clé tout de suite. Nous autres, on voit le mot ici. Il faut que tu formes... Okay. Il faut que tu formes un mot de passe avec les lettres sur la deuxième barre aimantée. Réponds-moi! OK? Il faut que tu formes un mot avec ces lettres-là. Tempête! Okay. Non, mais non. C'est, non. Qui essaie? Qui forme les... Essayez de l'aider, là. Vous pouvez l'aider à travers. Bien content. T'es sorti pour mieux rentrer. Louis et Marc. Vite. Allez, pas les vacances ici, là. Et c'est toujours important d'écrire les consignes. Marc approche. Louis approche. Il s'agit d'une épreuve à vous couper le souffle. Qu'est-ce que j'ai dit? À nous couper le souffle. Taisez-vous. Il faut que vous la boucliez. OK, les gars. En arrivant, vous allez trouver un bouclier, OK? Et vous allez faire face à une hélice. Dans le bouclier, il y a 4 trous. Au bout, là, il y a 4 petits bouts qui dépassent. Il faut que vous rentriez les petits bouts dans les 4 trous du bouclier. Ça va arrêter l'hélice et la clé qui est suspendue va être libérée, OK? Alors, vous avancez tous les deux avec votre bouclier pour arrêter la soufflerie. Allez. OK, let's go, les gars! Allez, on part!
Karine! Ici Karine! Il y a encore de l'eau, là! Étudiante en sabbatique. Oui. Le temps passe vite, hein? Très, oui. Tu trouves pas que le temps file? Beaucoup. Que le temps rétrécit? Je sais pas. Go, Karine! OK, aidez-moi, là! Karine! Karine! La clé est dans le coffre, OK? Tu ramasses les clés au plafond pour ouvrir. Tu trouves les trois bonnes clés pour les trois serrures. OK. T'as des clés plus faciles d'accès aussi sur lesquelles t'as juste à tirer. Ouais, prends les clés qui sont faciles, Karine, tout de suite. OK, là, sont dans les quatre premières serrures. Bon, vous comprenez maintenant ce qui se passe. Installez les clés dans les quatre serrures. Hey, Jean! On s'appuie pas sur mon sort. Jean! Hey, salut! Dis-leur à ton équipe qu'il faut frapper plus fort dans la porte. Moi, dis bien franchement, j'étais tellement pris dans les émotions là, que je pensais vous m'encourager. C'est de ma faute, je m'excuse. Il manque une clé pour accéder à la salle du trésor. Vous savez ce qui se passe maintenant? Ça prend quelqu'un aux oubliettes pour avoir la clé qui manque. Qui est-ce qui va y aller? Je vais me sacrifier. Karine! Go, Karine! Allez, Karine! Allez chercher la cinquième clé, celle qui manque, elle va vous l'envoyer. Alors. Vas-y. Vite, parce que le temps faut que j'ai là. Oui. Tu la lances, la clé. Merci, Karine. Excellent. Merci, Karine, à tantôt! Venez installer ça dans la serrure, là, pour qu'on puisse au moins ouvrir. Voilà. C'est quoi qui se passe? Là, on écoute. Écoute bien. Cinq clés, ça permet d'ouvrir la salle du trésor.
Pour accéder au trésor, maintenant, ça prend un mot-code. Le mot-code, on l'obtient par un premier indice, c'est-à-dire trois définitions du même mot. Ce même mot devient le premier indice pour nous permettre de trouver le mot-code. Et ça, c'est encore ton travail, Louis. Retourne voir le père Foura. Trois définitions du même mot. Et ensuite, les autres indices, on les obtient par des aventures. Hey, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas ça. On y va. Là, moi, ça tient. Voyez-moi, moi, ça tient. C'est moi qui vous rend comme ça, qui vous fait battre le cœur, hein? Les deux. Les deux? Bon, alors, écoute, Tsikas, hein, et réponds. Ouais, trois définitions, on reprend la forme, on écoute, voilà, c'est parti. Mon premier indice est très attachant. Très attachant. Oui. Alors? Encore? Ben voilà, c'est ça. Je n'ai même pas besoin d'énoncer les deux autres définitions. Le mot, c'est corde. Eh ben, Louis, ben voilà. Eh ben, c'est moi qui me suis fait avoir à l'os. Bon, ben, tu descends ça, et tu rejoins tes amis. Ben oui, bon, tu rejoins tes amis qui t'attendent près des serpents. Merci. Bravo, Louis. Eh bien, tout de suite, top direct. Même pas le temps de dire les deux autres. Jacques, j'ai eu le temps de penser, mais je savais que j'avais une bonne équipe. Oui! Tu l'as eu! C'est corde! Corde! On demande la corde, on va en avoir. Corde, un indice. Jacques, puisque tu as été tout seul pendant un trop long moment, tu as besoin de compagnie. Alors, tu vas aller retrouver tes petits camarades. Let's go, Jack! Là-dedans. Jacques, tu as 3 minutes et demie pour trouver une cartouche. Avec un mot dedans. Let's go! Attention, 3 minutes et demie. Ils sont tout petits, Jacques, ils sont tout petits. Fais pour l'équipe, Jacques. Rien des autres. Jacques! Mais ça fait. Fais pour l'équipe. Jacques, tu vas s'autodétruire dans 3 minutes et demie, OK? Ça fait que. Fais pour l'équipe, tu nous écoutes. Ils sont gentils. Puis tu vas trouver un. Le citron. Vas-y. Tu vas trouver un cylindre métallique, OK? Citron, c'est pas ça qu'ils pensent, OK? On peut vous le dire. Tu vas trouver un gros cylindre métallique dans lequel tu vas trouver une cartouche avec l'indice dedans. Il faut que tu le trouves avant. Un cylindre métallique, OK? Un grillage, un cylindre en grillage, OK? Avance doucement. Puis tu vas avoir des portes à ouvrir, puis il faut que tu les soulèves délicatement. Ils sont pas venimeux, OK? Donc, les grosses bébites mangent pas les petites. Il y aura pas de problème. En fait, c'est les petites bébites qui mangent. Faut juste que tu y ailles. C'est pas grave. Si tu les agresses pas, il n'y aura pas de problème, OK? On n'est pas dans un ring, ça va te tirer. Là, je m'en vais où, là? Là, tu continues à avancer, tu regardes, t'as des portes à ouvrir. J'ai des portes à ouvrir. Oui. OK, c'est là, ouvre là. Ouais, il y a une bouteille. Il y a une bouteille. Mais fouille en masse. C'est quoi qu'il y a là-dedans, là? C'est ça, ta cylindre? C'est un cylindre en grillage que tu vas trouver. Je comprends pas que tu disais un cylindre. Un cylindre en grillage. Je vais te le montrer, là. OK, je le vois. OK. Prends-le. Prends-le, c'est ça. Vérifie. Oh, oh. Puis là, regarde, dedans, il y a un serpent. Regarde s'il y a quelque chose dedans. Il y a un serpent dedans. OK, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de cartouche. Je sais pas, là, le serpent, mais regarde, bon. Est-ce qu'il y a une cartouche à l'intérieur? Non! Oui. Alors, continue! Il n'y a rien! Il y en a-tu une autre place? Il y a-tu une autre place? Oui, il y a plein d'autres places, continue! Trouve une autre porte! C'est ça! Eh, tabarnak! Allez! Trouve une autre porte! Trouve-la! Parce qu'on n'a pas beaucoup de monde! Go! Elle peut-tu être dans un vocal? Quoi? Elle peut-tu être dans un vocal? Non! Oui, ça peut être n'importe où! Vérifie partout ce que tu penses que c'est. Tu vois rien là-dedans? Il faut peut-être que tu soulèves les grosses affaires. Ouais, soulève les serpents, Jean! Soulève les serpents qu'il y a dans la cage! Qu'il y a dans la cage? Oui, ouais. Soulève les serpents! Laisse-moi. Tranquillement. Oh, Seigneur! Tranquillement, ils mordront pas. Mais il n'y a rien là, faut que tu dises ça. Il y a rien. Ils sont pas dangereux, Jacques! Il faut que tu trouves un cylindre avec... Il faut que tu les tasses, genre, délicatement, les serpents, OK? Tasse-le! Tasse-le! Oui! C'est ça! Parce qu'il t'a perdu tout le temps! C'est ça!
C'est beau! C'est là! C'est ça! Allez! Il met un doigt, c'est un contrôle! Il met un doigt, c'est un contrôle, Jacques! C'est pas... ça! C'est là! T'as pas beaucoup de temps, Jacques! Vérifie comme faut! On sait pas trop! Ah, non, c'est pas le chercher! Plan. C'est quoi qu'il y a dans la boîte, là? C'est quoi qu'il y a dans la boîte? Dans quelle boîte? La boîte qui vient de casser au bout de la bouteille! La boîte vient de casser au bout de la bouteille! Au fond! La... Oui, ouais, c'est ça! Vérifie! Oui, il y a quelque chose là-dedans! Vérifie! Il y en a une cartouche! Ça? Non. Non, ben continue. Reviens sur tes pas, ça veut dire. Reviens sur tes pas d'abord. Il y a peut-être une autre trappe à ouvrir quelque part. Reviens sur tes pas! Aïe, ça vient... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il s'est autodétruit, celle-là. Viens-t'en. Ici. Il y a eu des petites bêtes à l'occasion, mais ça nous prendrait... Là, ça nous prend une grande bête. Quelqu'un est capable de grimper aisément. On va t'installer un beau petit... On pourrait le costume en même temps, ici, France. OK. Alors, puis, France, là, regarde bien. Pendant qu'on va, t'équiper calmement, l'échelle qui est là est une échelle de spéléologie. Hein? Ouais. Il faut grimper, sauf qu'il en manque un petit bout. Ouais. C'est là qu'on va voir si vraiment vous avez une équipe... Un esprit d'équipe, hein? Un esprit d'équipe très fort. Est-ce que tu vois tout en haut la corde qui pend? Oui. Au bout de laquelle il y a une cartouche. Et dans cette cartouche-là, il y a un autre indice. Ce sera à toi d'aller chercher. Une fois rendu en haut, elle est à portée de la main, là? Ah, ben tu l'as. On verra en même temps que toi. Hein? Et puis, c'est serré pas mal, monsieur. Tu le cries à tes camarades. 2 minutes 40, les deux vont s'autodétruire, OK? Alors, il va falloir qu'elle monte le plus vite possible si vous pouvez l'aider. On traversera l'échelle quand on sera rendu. Mais je fais quoi avec tout ça, là? Oui, tiens. Viens, en avant, tout de suite, mets-toi à quatre pattes. Tout de suite à quatre pattes. Pile son dos. Pile son dos. Mets-toi debout, mets-toi sur ma tête. Va chercher ton corps, mon pied. OK? OK. Poussez-moi. Plus encore. Pousse nos mains, là. Pousse nos mains. Si t'es capable de te mettre un pied dans l'échelle, là, ça va t'aider. Plus encore, les gars, restez là. Je vais monter sur tes épaules, monte là! Monte, monte, monte sur tes épaules la nuit tout de suite! OK? Ah ouais, monte d'accord, Louis! Monte! Monte sur mes épaules, Louis! Aide lui! Monte! Mets-moi ta main! Mets-moi ta main ici, Louis! Mets-moi ta main ici! Lâche pas! Et voilà! Oh! Attends! Mets-toi debout de ses épaules! Debout de ses épaules, la main! C'est bon! OK? C'est bon! Ton genou est pris dedans, là! OK! Capable de monter? Ton genou est pris dedans, Franck! Laisse-moi. Enlève ton genou. Enlève ton genou. OK, bon. Mets ça. Mets ton genou. Enlève ta main. OK. C'est bon? Pousse avec l'autre pied. L'autre pied. Pousse avec les jambes. OK, l'autre, tiens le cadre. Tiens le cadre solide. OK. Pour qu'elle aille. Bon. Tiens-les solides, les cadres. Tiens, non, tiens la corde, oui. Lâche pas la corde, c'est plus facile. Tu lâches pas, tu gardes un bon rythme. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. Tu es sous moins que t'es fatigué. OK, je l'ai. Lâche pas, ça va bien! Lâche pas, ça va bien! Vas-y, pense, ça va bien! Oh, vas-y, fille! Voilà. C'est ça! Tu l'as, ma fille! C'est beau! Lâche pas, ma belle! Pour c'est l'équipe! Bon. C'est ça! Pour l'équipe! Lâche pas! Vas-y! Vas-y, France! Vas-y, France! C'est capable! Lâche pas, c'est un effort, vas-y! Vas-y, ouais! Lâche pas! C'est OK, ça. Let's go! On est là! Ça va bien! C'est lâche pas, France! Let's go, t'es rendu, t'es presque rendu, France! C'est bon! C'est bon! Il faudrait qu'elle y arrive avant que ça se touche. Let's go, un peu plus vite! Un petit peu plus vite! France. Un petit peu plus vite, France! Vas-y, France! Let's go! Vas-y, France! Un peu plus vite, France! Plus on va la chercher! Vas-y, tu l'as! Vas-y, France! Tire en masse. Lâche pas, tire en masse! Oui, tire en masse, vous voyez. Vas-y, tu vas l'aider si tu tires en masse! Vas-y! Tu l'as fait! Qu'elle monte sur la dernière marche. Vas-y, monte sur la dernière marche! Monte sur la dernière marche! C'est bon, vas-y, dévisse! Qu'elle dévisse ça, dévisse! Dévisse! Croyez que elle
termine là-dessus. Vas-y, t'es capable! Ça va-tu, Fab? Let's go! Ouais! Yes, sir! Ouais! Lâche pas, Fab, c'est méchant! C'est où, en tabarouette? Tu l'as-tu? Encore une fois! Alors! Hey, il est pas pété! C'est quoi? C'est écrit Barreau! Tu te laisses aller maintenant, OK? Pars en arrière, laisse-toi aller. Ça va, lâche tout, ça va bien aller. Ben là... tomber, hein, allez, tu lâches, vas-y, vas-y. Laisse-toi aller. Lâche, lâche ça. Lâche, merci beaucoup. C'est barreau et corde. Alors là, on a juste deux indices. Il ne nous reste pas énormément de temps. Ça va à la porte de la salle du trésor, OK? Comment est-ce que je suis le garçon? Je me peux plus. La cloche. Tout de suite la cloche. Tout de suite la cloche. Il y a trois minutes. OK, alors est-ce qu'il va y avoir des soucis? Oui, 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 oui. Vous avez... Allez, vas-y, vas-y. Corde et barreau. Okay. Corde et barreau. Corde. Est-ce que vous avez des idées? Oui, prison, oui. Sentence. Alors, ici, on a... Courte. Corde, barreau, un autre sacrifice. Courte. Un autre courte. Corde, courte. Barreau. Un autre sacrifice. Okay. Allez, hop. Courte, barreau, corde. Barreau, corde. Courte. Ici, on a... Social. Social. Barreau. Barreau. Une sentence? Non, ça ne peut pas être une sentence. Barreau. Barreau. Corde. Corde. Barreau. Corde. Réfléchissez. Un autre sacrifice, on peut-tu? On peut pas. Réfléchissez. Réfléchissez. Social. Barreau. Courte. Une courte corde. Pendaison. Courte corde. Prison. Barreau. Prison. Prison. Courte. Pourquoi courte? Un autre sacrifice. Un autre sacrifice. Là, 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 là. Allez. Là, ici. Allez hop, ici, ici, ici. Oups, là, allez hop. Vite, la main là-dedans. Corde, barreau. Courte, sociale. Ici, on a salaire. Courte, salaire, social, un employé de prison, un garde. Garde, garde. Salaire, courte, sociale, prison, corde. Réfléchis donc. Réfléchis tout. Barreau, corps, sécurité. Ça se voit avec prison, non. Salaire. Je ne peux pas voir avec prison. Moi, corps, ça se voit. Prison. Salaire. Courte. Alors, corps. Prison. Barreau. Courte. Social. Salaire. Salaire. Courte. Social. Je t'enfuis. On l'essaye-tu, les gars? On dit-tu quelque chose? Parce qu'on n'a plus de temps. On essaye-tu prison? Oui, oui, prison. Prison, on dit corde. Prison. Barreau. Ça va aller pour prison. Faut mettre un mot. Corde. Mettre un mot. Barreau. Et tu t'occupes de toutes les lettres avec les boulets. Mais prison. On aura plus à la porte pour se fermer. Ça se peut pas, ça a l'air. Ça se peut prison. Pas, prison. Prison, rien que ça qu'on pense. Prison. Pensez à d'autres choses? Rien. Prison. 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 Essaye-toi, France, essaye-toi, la porte va se fermer. Prison! Prison! Essaye-toi le plus vite possible, France. Essaye-toi! Paye! Il est où, paye? Ici, ici. Dans le coin! Dans le coin! À toi! Vite! Air! Air! Vite! Dans le I! Il est où le I? Allez, Francesca! Le I! Là, on a manqué de temps. Le 3 minutes à partir du son de la cloche était expiré. Oh, on a manqué de temps. Oh, on va libérer les sacrifiés ici. Okay. Ici, Louis. Viens ici, Louis. Oui. On s'en vient, Jacques. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de prison? Barreau. Barreau. Corde. Ouais.
Et pendant que vous réfléchissez encore un petit peu, Félindra va écrire le bon mot avec le collet. On va demander la tête de tigre et ensuite on va passer aux explications. Qu'est-ce que vous avez mis sur la piste de prison? Les deux premiers, Mandaison avec la corde. Ouais. Ensuite, on a eu. Social, c'est la vie. Donc, ceux qui sont punis dans la vie, c'est la prison. C'est salaire qui m'ont mélangé un peu, là. Ouais. Salaire. Salaire de rien. Salaire est dur. Il n'y a pas un autre mot qui vient à l'esprit. Salaire, pas une job. Travail. Gardien. Social. Gardien. Félindra, tête de tigre. Alors, elle a placé les lettres. La réponse était échelle. Échelle. Une échelle de corde, barreau d'échelle, échelle sociale, échelle de salaire, échelle. Voilà la bonne réponse. Allez. Venez-vous-en. C'est pas grave. Va sortir, Karine. Il y a Karine qui est là, effectivement, qu'il faut sortir. Karine. La meilleure équipe. Venez-vous-en. Ce moment d'émotion intense vous est offert par Chevrolet.